Je compte sur vous les puces pour réserver un bel accueil à cette vidéo hyper importante qui résume donc toute ma journée au refuge de la Tanière avec des histoires autour des... En larmes. Voilà, en larmes, en ayant fait ce petit montage qui m'a pris la nuit parce que j'ai écrit mon petit texte, j'ai fait mon petit montage, j'ai fait ça avec le cœur, j'ai pas compté les heures et ça m'a rebouillé. J'aime tout simplement... ce que je fais, ce que je découvre, ce à quoi je peux sensibiliser ma communauté. Enfin voilà, j'ai encore tellement de choses à faire. Mais vraiment, je me sens mieux de jour en jour. Je me trouve de jour en jour. Et ça me rend très heureux. Voilà. C'était la séquence. Je suis trop content. Je me suis fait un album Noël. Un album cap. Puisque chaque année, je fais mon album d'Halloween. Hein. C'est une collection à part entière dans ma bibliothèque. Oui, les puces. J'adore. Donc voilà, 2019, 2020, enfin 18, 19, 20. Ils sont trop beaux. La qualité de chair, de toute façon, c'est toujours dingue. Je vous montre un petit peu. Donc, je me suis fait tous les petits souvenirs. Et puis, bah après, j'ai fait tous mes voyages. Hein. Donc, le Cap Vert, voilà, avec des photos pleines pages aussi. Tellement de souvenirs vécus avec mes puces, la Martinique. Voilà. Le Noël aussi, on a tellement fait des jolies photos et tout avec ma mère. C'était tellement bien Noël cette année que du coup, je les ai faites imprimer. Et puis alors, bien sûr, la Thaïlande, ça envoie du lourd. Hein. Franchement. Allez, visite d'appartement, tu sors de ton isoloir. Enfin, de ton... Alors les amis, cet appartement... Magnifique, j'ai adoré. As-tu aimé ? Adoré. C'est vrai ? Ouais. Et bien moi original, aussi. Des grosses hauteurs sous plafond. Chut ! Je comprends pas Lola. Depuis que t'as l'âge de 10 ans, tu nous mens. Oh cette gosse, regardez la clope à la main, elle fume. Est-ce que tu as vu Fufu que ta gosse... Fufu, nous sommes en shopping avec la gosse qui me conseille, c'est mon personal shopper. Elle tient ma... Ah non mais je crains, Fufu va réhabiller les mannequins, parce que je viens de lui arracher sa chemise pour l'essayer, il n'y en avait plus. Mon équipe de personal shoppers est en plan. Alors on me fait essayer par ici des pantalons cargo. Tu aimes ? Ouais, j'adore moi, ça me va très bien. Et l'oversize finalement est pas mal comme ça. On me fait essayer plein de choses les puces, tu as plutôt bon goût. C'est beau. Et j'aime beaucoup. Alors cette veste est fort jolie hein. Ah, je l'ai bien aimé quand je l'ai vu, Zololo, comment je pas. Et cette veste aussi, trop belle. Oh là là, je vais prendre un max de vêtements qui j'espère m'iront encore dans quelques mois. Parce que là, je fais pas mal le yo-yo en ce moment. Mais on a déjà pris tout ça. Ça, oui, je valide. J'en peux plus. Les jouets, c'est bien. Non mais regarde, heureusement que vous m'aidez les puces. Bon, moi, je vais faire un truc. La gosse est en plein défilé, Fufu, regarde. Oui, je sais, c'est qui est-ce qui paye, c'est sa mère. Quoi ? C'est sa mère qui paye. Ah bon ? Allez, c'est Kirak, c'est la daronne. Mais je lui ai fait un verre hier. Je comprends pas, Lola, depuis que t'as l'âge de 10 ans, non seulement tu mens, mais tu... La gosse qui se fait entretenir par sa mère, non mais je suis mort. Elle est quand même là, la gosse, à côté de la caisse, pour prêter assistance, peut-être. Mais faut que je vous raconte un truc, là, j'arrive à mon tournage... Et j'ai booké un hôtel pour ma pyjama party. En fait, je crois que c'est un hôtel, comment dire, un peu... Enfin, voilà. Ouais, du coup, ça doit vraiment être ça. Ah, si. Pink Lady. Gazon ? Où c'est qu'elle est ? 9. 6. C'est quoi ? Bon, mon invité n'est pas arrivé, donc en attendant, je pense qu'effectivement, les gens croient qu'on couche ensemble. Effectivement. Alors super, le chauffage marche, mais pas la clim. Exact. Donc on va pas quand même tourner la porte ouverte. Sachant que... La cage. Il faut que tu mettes ton oreille bien. Ah bah oui, effectivement, il y a des bruits. Ah, la chambre de la cage est ouverte. Ah bah, c'était bien ce que je pensais. C'était bien une cage en plein milieu de la chambre. Ça doit être un truc SM. Oh non, mais je crève, regarde. Non, mais je crève. Qu'elles ont dans la cage. Oh là là, mais t'es trop mime. Qu'est-ce que tu regardes, Louloute? Ah oui, oh là là. Ah oui.
qu'est-ce que je regarde, moi, du coup? Quelle chaîne, là, les puces? J'ai du choix, hein. Ouais, peut-être plus de ce côté-là, hein. C'est peut-être un peu mieux, quand même. Parce que, bon... Sinon, la 101 ou la 102? Ouais, peut-être 103. Non, mais attends, je suis morte. T'es au Love Hotel. C'est là qu'on a tourné notre deuxième film avec Jackie et Michel. C'est dans la chambre de la cage. C'est dans cette chambre-là qu'on a tourné. Si tu savais comment j'habite, m'a pris dans tous les sens dans cette chambre. D'ailleurs, tu peux retrouver le film sur le site de Jackie et Michel. Non, mais alors, non, vite, ces trucs. Je crois que j'entends, je te jure, des... Ah, c'est sûr. Non, mais je suis mal à l'aise. Tout à l'heure, je vois des gens qui sortent. Ah, non, mais je crève, Gazo. Et les gens t'ont regardé quand t'es rentré dans cet hôtel. Les caméras, les trucs. Ah, bon, bah, en tout cas, toi, t'es prête, hein, pour les tournages X. De toute façon, t'as déjà filmé en Tunisie avec moi les blocs opératoires, les femmes nues. Ah, ça y est. Oh, bah, t'as déjà tout vu. Bon, moi, les puces, j'ai enfilé donc ma petite combi bisounours. Regardez comme elle est jolie. J'ai... Voilà, voilà. Trop mignon. Bon, qu'est-ce qu'elle fout? Elle est toujours pas là. Ah non, mais moi, plein cul de ces candidats de télé-réalité. Ça m'avait pas manqué. Ça me rappelle l'époque, tu sais, quand on tournait. Elle me fait chier. Elle est dans la rue, je sais pas ce qu'elle fout. Voilà, regarde, Gazon est en train de se liquéfier. On dirait une bouteille d'huile d'olive. Non, mais elle a le front qui est en train de complètement briller. Ah si, tu brilles sur ma caméra. Ah bah, totalement. Donc voilà les puces, comme vous me réclamez un peu de contenu télé, machin, bidule chouette, j'en fais un peu. Mais c'est vrai que c'est dur. Hein. Encore là, c'est rien, hein. Y a quoi? Y a une heure de retard, mais on a déjà eu des 4, 5 heures de retard. Oui. Des je prends mon avion, j'arrive dans une ville, la personne annule alors que je viens d'être... Ah mais en fait, moi là j'en ai marre parce que ça fait une heure que et je porte mon truc de maquillage, je sais même pas où il y a le parking de merde là. J'ai pris 3 heures à me garer, j'ai pas mangé, j'ai rien envie depuis 6 heures du matin. Donc à un moment c'est bon, fuck, le plan Waze, tous les trucs masques là, ils m'amènent n'importe où. Gauche, droite, allez, je suis perdue dans les rues de Paris, c'est bon, fuck, moi j'en ai ras le... Est-ce que tu vas la chercher ou pas? Bah je vais quand même pas rentrer dans l'hôtel avec elle. Non. Oui, les gens vont se dire que tu te la tapes. Ah, c'est mort. Ah non mais je crève. Je sature. Je regarde toutes les 15 secondes, mais je vais finir par tomber sur un couple en plein ébat. Voilà. Nouvelle note audio. Bon, écoute, là, je viens de remettre le plan. Ça m'amène je sais pas où, d'accord? Donc le plan, il est à Perpète et ça m'emmène à gauche. Quand je vais à gauche, on me rajoute 11 minutes de marche. On me dit que c'est pas le bon endroit. Stop. Bon, le monsieur vient de me dire qu'il préparait la chambre, donc effectivement... Ouais, effectivement, la chambre d'à côté, là, mon avis, bah, ça va faire du sale. Alors, apparemment, faut que tu la récupères devant une librairie. Ça m'étonnerait qu'elle lise, mais elle doit attendre devant, quoi. Allez, c'est à combien de temps? 4 minutes. Non, mais elle est sérieuse? Bon, genre, elle trouve pas le chemin 4 minutes? Pff, c'est dommage, ça commençait bien. Franchement, la chambre était ultra belle, vous voyez. Peu importe ce que les gens y font. Enfin, vraiment, j'adore le miroir et tout. Ah! Le couple arrive! Vous êtes trop mimes, le couple! Tu te fous de la gueule de qui? Et toi, pourquoi tu vas pas me chercher? Et allez, ça y est! Non, mais attends, tu n'es pas un enfant de 4 ans! Mais pour Ken ici, c'est pas. C'est... Oui, bah écoute, c'est pas avec Anthony vu que tu n'es plus avec. Bah non, avec un autre. Vous revoyez ou pas? Non, pas du tout. Faut que tu te mettes en culotte, en soutien-gorge sous la combi, ma belle, tu vas avoir trop chaud sinon. Et sinon, les excuses, enfin, il y en a pas. Tu vas avoir trop chaud. Non, tu vas avoir trop chaud, il n'y a pas de clim. Oh là là. On a 2 heures, alors qu'on avait 4 heures de tournage, il nous en reste plus que 2. Bon, allez, c'est bon. Bah oui, très bien, tu vois, t'as pas besoin d'être coiffée. Bah, elle est super jolie, cette petite combi. Excuse-moi, ma belle, j'ai pas entendu les excuses concernant le retard. Je te conseille pas ça. Non, si j'étais toi, je me mettrais pieds nus. Tu vas renacler des pieds. Il fait beaucoup trop chaud. Tu te rends pas compte, il y a pas de clim. Regardez là. Mais non, mon croissant en parlant. J'ai mangé, j'ai le ventre à l'ox sur le régime. Ah, mais il fallait prévoir. Il fallait prévoir. Tu t'organises. T'as pas bouffé pendant 2 mois là-bas sur les îles, donc tu vas pas manger. Non, on n'a pas le temps là de manger un croissant. Tu vas salir les draps. Oh, j'en ai marre. Rassure-moi, t'as ramené des bouteilles d'eau. Non, un coca, mais je le bois pas, ça va me jaunir les dents. Oh non, Gazon, c'est pas possible, hein, dès qu'il s'agit de dérouler du câble, hein, dans les... Ça va, t'es pas mal à l'aise, toi? Non, moi, ça me gêne. Vous êtes trop mimes, mes vies. Tu disais quoi? Rien. Si, qu'on était loin des candidats de télé-réalité avec toi? Ouais, mais attends, t'as pas mis de filtre? Non, j'en mets jamais. Non, je non. Comme ça, naturellement. Ouais, ça va, non?
qu'on met pas mon pull, il fait 50 degrés. Et tu es contente de ce que tu as dit de... Bah, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai été une garce. Ah oh bah oui, un petit peu, oui, un peu garce, oui, mais bon. Mais bon, t'as été nature. Il faut que tu m'aides, j'ai un énorme souci. Quoi? Il faut que tu t'aimes les animaux, toi. Parce que ma valise a roulé dans de la merde de chien. Il faut nettoyer les roues. Tu sens pas? Sans une roue, enfin, il y en a une ou une autre, je sais plus laquelle. Quoi? Tu sens... Non, mais tu... Elle va prendre l'eau, pas comme ça. Il faut mouiller ce tapis. Il faut mouiller ce tapis, tu mets du savon dessus, tu le mouilles. Tu me mouilles partout là. Il faut que tu grattes, c'est pas la bonne roue, il faut gratter la merde. Attends, de la roue du dessous. Il y en a aussi là. Avec du savon. Non mais là il faut arrêter, t'es en train de... Non non, il faut couper. Attends. Attention, t'es en train de tout inonder là. Mais non mais ça va. Mais je suis très étonnée, t'es en train d'essuyer mes roues, t'es très serviable. Oui, c'est ça mon visage. Tu ressembles à Nelly des Anges. Ah bon? Ah ouais, t'as la même tête. Il y a un air. Mais je crève. Ah voilà, on voit mieux. Putain, mais c'est trop. Et encore tout à l'heure, il y avait une cage, comme je t'ai dit. Je te jure. C'est marrant ces chambres, je connaissais pas le concept. Ah oui, encore un miroir. Il y a des miroirs partout. Toujours. Mais je crève, elle allume toutes les chambres. Oh, elle est belle, elle. Ah d'accord, ma belle. Ah ouais, elle est vraiment belle, elle, hein. J'adore. Oh là là, j'ai honte de sortir avec toi de cet endroit. Les gens vont croire qu'on a baisé ensemble. Oh là là, allez, viens vite, sois discrète un peu. Mais c'était vraiment, c'est trop drôle. Le mec m'a expliqué qu'ils avaient créé cet état. Mais attends, votre pote là, mais dites-lui, t'as un truc de naissance là, de gosse à l'hôpital.